Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en très pleine forme. La vidéo d'aujourd'hui va traiter la thématique de la descente de charge au droit d'un poteau au niveau de plusieurs étages. Donc essayez de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous promets qu'il y a plein d'informations utiles et abonnez-vous sur la chaîne si vous êtes nouveau ici. Je vous rappelle que la dernière vidéo que j'ai mise en ligne parle sur la descente de charge au droit d'un poteau au niveau d'un seul étage. Je vous rappelle aussi que les formules du calcul de la descente de charge dans les deux états limites, nous avons dans l'ELS le G plus Q, sachant que le G, c'est la descente de charge permanente et le Q, c'est la descente de charge d'exploitation. Alors qu'au niveau de l'ULU, l'état limite ultime, on travaille avec la formule 1,35G plus 1,5Q. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo qui traite la descente de charge pour un seul poteau, voilà la miniature qui traite cette thématique. Il faut juste souligner que maintenant nous allons nous intéresser à un ensemble d'étages.